Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Jackie Diamonds. Aujourd'hui, vidéo de deux colis que j'ai reçus. Le premier colis, donc ce sera celui-ci. C'est un DP que j'ai commandé sur AliExpress pour faire le challenge des fadas du DP. Vous vous rappelez un peu de la vidéo que j'avais fait, la vidéo que Nanou et que Isa a fait. On fait donc c'est pour notre challenge, donc où on fait une toile sur le thème d'Halloween et de l'automne, ou de l'automne, et on n'utilise que des toiles de AliExpress, DAC ou Oraloa. Donc moi j'avais choisi de prendre AliExpress. Du coup je vais vous montrer ça de suite, et en dessous c'est un petit colis que j'ai reçu de mon amie Didine, le DP et autres. Donc je vous montre d'abord le DP. Voici la toile que j'ai choisie. C'est une toile qui provient de la boutique AliExpress FIO. Enfin voilà, le blé ici. Diamond Painting. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà pris deux toiles chez eux où j'avais fait un comparatif entre une toile carrée et une toile diamant carré, une toile diamant rond. Il y a quelques temps de cela, j'habitais encore sur Nancy, donc ça date de plus de 9 mois maintenant. Et même 10 mois, et franchement j'avais été agréablement surprise par la qualité de la toile et par leurs produits. Alors cette toile, regardez un peu comment qu'elle est. Moi je trouve que c'est vraiment génial au niveau en fait de l'entourage, du contour de la toile. C'est pas blanc, c'est pas blanc, il y a des motifs, c'est vraiment génial. Donc cette toile, ce sont des citrouilles, c'est trois citrouilles que j'ai choisies, donc ça fait bien automne et Halloween. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus comme ça. Voilà. Ça fait vraiment automne et Halloween. Je la trouve vraiment super sympa. Elle a 19 couleurs. Vraiment très 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 jolie. Donc nous avons déjà un tout kit de base avec stylet code barquette, et nous avons un multiplaceur de 3 au niveau du stylet, et un multiplaceur ici de à l'intérieur. Je ne sais pas si en combien d'ailleurs. Sympa ça par contre. Noté dessus. Alors j'essaie de voir, c'est noté dessus. De 6 apparemment. Ça devrait être de 6 je pense, hein, multiplaceur qu'on a en plus. C'est vraiment sympa. Les couleurs sont en sachet zip, ça c'est vraiment le top. Donc les tons, hein, vous voyez, hein, c'est du noir, c'est de l'orange, c'est du rouge, c'est du brun. Voilà, moi j'ai pas voulu tous les ouvrir, hein, parce que j'ai pas la préparer de suite. Hein. Le challenge commence le 23 septembre et se termine au 1er novembre. Donc en plus, moi je suis en vacances à partir du 20 septembre, je la préparais seulement à ce moment-là. Je ne sais absolument pas quelle toile Nanou et Isa ont décidé de faire. J'ai vu que j'ai eu plusieurs abonnés, hein, qui m'ont dit qu'ils avaient participé à ce petit challenge. Donc j'espère qu'ils nous enverront les toiles qu'ils ont choisies, comme ça on pourra faire des photos. Voilà, donc en tout cas, moi je trouve cela vraiment super sympa. Là ici vous avez le Facebook de la boutique qui se trouve juste là. Voilà, bah écoutez, je trouve plutôt bien. Alors les symboles sont entourés, ouais, c'est plutôt pas mal franchement, plutôt bien, ouais, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Alors donc nous avons une partie je disais qui se trouve, je suis désolée, je suis dehors parce qu'en fait mon mari est en train de dormir. Il se repose, il a une nuit assez compliquée, et du coup je me suis dit je vais faire ça dehors, parce que si je fais ça à l'intérieur, il va m'entendre et c'est un peu embêtant. Donc je disais, donc nous avons une partie ici et une partie en fait de l'autre côté. Voilà, donc les voitures elles passent, en plus on a la déviation qui est remise jusqu'au 29 septembre devant la maison. Voilà, donc une film voilà, transparent au-dessus, ça colle très très bien, je la trouve vraiment super sympa pour faire donc ce petit défi automne Halloween des fadas du DP. Voilà, celle-là elle est vraiment cool, j'aime bien, j'ai bien choisi, j'aime bien. Donc 30 par 40, mais c'est vraiment bord inclus, hein.
Voilà, voilà donc pour le premier produit donc j'ai choisi, donc j'ai eu chez AliExpress, que j'ai reçu ce matin. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est un colis que Didine m'a envoyé. Alors je sais très bien ce que c'est, hein, puisqu'en fait elle est allée chez Action la dernière fois et elle a trouvé des petites LED. D'ailleurs moi j'en ai une, c'est une LED avec, c'est un papillon. L'emplet d'un papillon, que bah, c'est une veilleuse si vous voulez. Et donc du coup elle m'a trouvé un autre. Normalement elle aurait dû le faire, il aurait déjà dû être fait, mais elle m'a dit qu'elle l'a trouvé dans un autre Action. Donc du coup elle m'a donné, enfin elle m'a donné, elle m'a envoyé la boîte, en fait la boîte du produit non fait. Donc c'est à moi à le faire. Voilà, merci Sandrine. Je vais vous ouvrir ça. Alors le voici, voici cette petite lampelette que je voulais à tout prix, parce que en fait je sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'avais dit qu'en fait on aurait dû avoir un petit chien là, t'aurais déjà dû faire déjà plus d'une semaine qu'il devrait être avec nous, Jace, et Jace est décédé. Il n'a malheureusement pas supporté en fait le voyage. Enfin, bref, on va pas en reparler parce que ça me retourne un petit peu l'estomac. Voilà, donc du coup et ben cette lampelette, et ben c'était pour lui au départ que je la voulais, et puis finalement ben, je la veux quand même parce que voilà, Jace sera toujours dans mon cœur, toujours ce petit Jace. Voilà, alors je vous montre, vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Sandrine, de Didine, et ben d'ailleurs je vais le faire hyper rapidement, je vais le faire là, hop, je fais l'unboxing et après je vous fais la petite lampe et comme ça je vous montrerai le produit fini. Donc la voici, il est trop choupinou. Oh, on dirait ma petite gueule, on dirait mon petit Jace, trop choupi. Ouais, oh, la petite larme à l'œil, mais ça va aller. Donc c'est, il y a une petite comment dire, un petit plastique au dessus hein, donc franchement ça va aller super vite à faire, il est trop mignon. Et donc c'est derrière, c'est avec des piles hein, les piles sont pas incluses. Alors nous avons un tout kit de base à l'intérieur avec une barquette rose, pourquoi pas. Bah, j'ai pas la colle. Ah si, elle est là, la colle, elle est blanche. Ah ouais, ok, d'accord, blanche, voilà, avec le petit stylet et tout ça, qui est bleu. Et les diamants, et ben en fait ce sont des strass, voilà un peu la couleur. Donc ça c'est du noir à peu près, ça c'est du jaune, du beige, enfin je sais pas comment dire, ça c'est un peu plus jaune. Voilà, donc il y a que trois couleurs. En fait il n'y a vraiment rien à diamanter dessus, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a juste, là il y a la couleur 2 qui fait le tour, et la couleur 1 qui fait tout l'ensemble, et la couleur 3 qui fait tout le noir en fait. Elle est vraiment trop choupie. Donc celle-là, elle va aller à côté de ma petite, notre lampe LED, qui est un papillon. Voilà. Voilà pour tout ça. Je te remercie énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais la faire bah, tout de suite. D'ailleurs, on voit d'ailleurs comment qu'elle est faite hein, dedans. Donc il y a toute une petite notice explicative qui explique vraiment comment faire du diamond painting. Ça, c'est vraiment, en fait, ces produits-là se trouvent au rayon enfant. Voilà, parce qu'il y avait donc le papillon, il y avait le chien, il y avait une licorne que je trouvais bof. Et c'est tout, je crois. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en avait trois, mais pas plus que ça. Je sais pas. Je sais pas, ils notent pas, ils mettent pas les, en photo ce qu'il y avait derrière. Non, mais plus, bah, c'est pas grave. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Alors l'empreinte dans ces deux AA et puis là, des AA. Bah écoutez, moi je vais la faire de suite celle-ci, je rentre à l'intérieur de ma maison pour qu'on entende ce bruit de voiture, de circulation, et je vais la faire de suite et vous verrez le résultat sur ma chaîne, sur ma page Facebook Jackie Diamonds, ou même sur mon Instagram, enfin on verra où je vais mettre ça. Donc voilà, voilà pour ces deux produits. Celui-ci je me rappelle plus du prix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez, si ça vous intéresse. Mais franchement il est vraiment top. Et encore un énorme merci Sandrine pour cette petite LED. Il y a les nouvelles qui sont arrivées d'Halloween, je les ai pas encore vues. Il paraît qu'elles sont super. J'attends. Et j'attends. Et j'attends. Et il y a également pour le challenge
le challenge qui va arriver au 1er novembre. DP Action, il y a les nouveaux DP Action de Noël qui viennent d'arriver. Donc du coup, le challenge sera sur un DP Action de Noël. Là, je vous referai une vidéo fin septembre peut-être. Fin septembre, je pense que je vais faire une vidéo fin septembre pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Et on commencera ce challenge 1er novembre. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.